sagte, que lorsqu'ils sont arrivés au bord, die Bibel sagt, als sie am Ufer wieder angekommen waren, ils ont tout abandonné. Haben sie alles verlassen. Donc, ils ont pris la décision de laisser tout. Sie haben die Entscheidung getroffen, alles ma zu lassen. Frère bien-aimé, meine, ihr Lieben, meine Geschwister, solange wie du in Christus bist, est-ce que vous avez abandonné? Habt ihr die Sachen verlassen? Les anciennes habitudes. Die alten Verhaltensweisen. Les anciens caractères. Die alten Charakter. Un jour, j'écoutais ma sœur Sylvie, elle est tentée de donner un témoignage. Eines Tages habe ich meine Schwester lorsque quelqu'un fait quelque chose de bon. Ich mag die Namen nennen für jemanden, wenn jemand was Gutes tut. Simplement pour édifier l'Église de Dieu. Es ist nur um das Gottes, das Volk Gottes zu ermutigen. Qu'est-ce que notre sœur nous a dit? Was hat unsere Schwester gesagt? Elle a dit qu'auparavant, elle n'était pas comme elle est maintenant. Sie sagte, früher war sie nicht, wie sie jetzt heute ist. Pourquoi? Warum? Parce que le Fils de Dieu a pris la place. Weil der Sohn Gottes Platz gefunden hat in ihrem Leben. Notre Papa Desi l'avait aussi dit un jour. Unser Papa Desi hat auch eines Tages gesagt. Dans sa prédication. In seiner Predigt. Il dit auparavant. Er sagte, früher. Je n'étais pas comme ça. War ich nicht so. Mais aujourd'hui. Aber heute. Il est devenu ce que Dieu veut qu'il soit. Ist er das geworden, was Gott wollte? Moi, je vous dis. Ich, der aus euch spricht, auparavant, früher, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. War ich nicht das, was ich heute bin. Le fils de l'homme, der Menschensohn, il est entré dans ma vie. Er ist in meinem Leben gekommen. Il a pris la place dans ma vie. Er hat Platz genommen in meinem Leben. Il a changé la situation de ma vie. Und er hat die Situation et Dieu changera notre situation. Und Gott wird auch unsere Situation hier ändern. Dieu changera notre situation. Gott wird unsere Situation la hier ändern. La situation que nous sommes en train de voir dans cette église. Die Situation, die wir hier sehen in dieser Gemeinde. Dieu il changera ça d'après le temps. Gott wird das verändern in kurzer Zeit. Il changera cette situation, ma sœur. Gott wird diese Situation verändern. Croyez-moi ce que je vous le dis. Glaubt mir, was ich euch sage. Que Dieu me l'a déjà dit. Denn Gott hat es mir schon gesagt. Dieu m'a déjà montré. Gott hat es mir schon gezeigt. Que je suis venu moi-même. Denn Gott ist selber gekommen. Pour délivrer maintenant mon église. Um seinem Volk zu befreien. Voilà pourquoi je vous dis que M. Makiadi n'est pas ici. Deswegen sage ich, M. Makiadi ist nicht ici, an diesem Ort. C'est la parole. Was hier ist, ist das Wort. C'est la parole de Dieu qui est das ici. Wort Gottes ist hier. C'est l'esprit de la soumission qui est ici. Der Geist von sich unterordnen ist hier. Halleluja. Amen. Alors, pour se séparer avec quelque chose que tu aimes, c'est pas facile. Um sich von etwas zu trennen, was du sehr magst, ist tu as besoin d'aide. Du brauchst Hilfe. Nous avons besoin d'aide. Wir brauchen Hilfe. Pour que nous puissions se débarrasser de Monsieur Macchiari. Damit wir uns von Monsieur Macchiari trennen können. Notre sœur a lu la parole. Unsere Schwester hat das Wort gelesen. Elle a dit que lorsque Pierre est venu, als Petrus kam, dans la terre avec ses collaborateurs. Als Petrus am Ufer angekommen war mit seinen Dienern, haben sie alles verlassen. Il y a une séparation qui était faite. Es gab eine Trennung. Il y avait une séparation, ma sœur, frère bien-aimé. Es gab eine Trennung, ihr Lieben. Une séparation a été établie. Eine Trennung hat stattgefunden. Ils ont laissé toutes les poissons. Sie haben alle die Fische gelassen. Qui signifie tout simplement. Das heißt einfach, qu'il a séparé avec le péché. Er hat sich von den Sünden getrennt. Pierre avait pris une bonne décision. Petrus hat eine gute Entscheidung getroffen. De suivre Jésus. Jesus zu folgen. De suivre Jésus. Jesus zu folgen. Et si nous allons prendre une meilleure décision aujourd'hui. Und wenn wir eine gute Entscheidung treffen de wollen heute. De suivre Jésus. Jesus zu folgen. Nous allons tout abandonner. Wenn wir alles verlassen. Tout ce qui compliquait notre vie, nous alles, was unser Leben komplizierte, werden wir verlassen. Mais ce n'est pas facile. Aber es ist nicht einfach. Pour abandonner. Um es zu verlassen. Nous avons besoin de quelqu'un. Wir brauchen jemanden. Mais cette personne s'appelle Jésus. Und diesenjenigen, den nennen wir Jesus. Cette personne s'appelle Jésus. Und diesenjenigen nennt man Jesus. Cette personne s'appelle Jésus. Et qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Was sagt Gott in seinem Wort? Que j'ai formé des bons projets pour vous. Ich habe einen guten Plan für euch. Ce n'est pas les projets de malheur. Es sind keine schlechten Pläne. Mais c'est le projet de bonheur. Aber es ist ein guter Plan. Mais quelquefois nous ne voyons pas ces projets dans notre vie. Aber wir sehen diese Pläne nicht. Pourquoi nous ne voyons pas? Warum sehen wir es nicht? Parce que M. Macchiari est là. Weil noch M. Macchiari da ist. Si M. Macchiari est là, wenn M. Macchiari da ist, il va bouleverser toute la situation. Wird er die ganze Situation durcheinander bringen. Même si la situation était bonne. Auch wenn die Situation mais gut war. Qu'il est là. Aber wenn er il da ist, er zerstört alles. Bien aimé dans le Seigneur. Wir lieben den Herrn. Nous allons séparer avec ce monsieur. Wir werden uns mit diesem Monsieur trennen. Et ce monsieur, lorsqu'il vient devant toi, und wenn dieser Monsieur vor dir kommt, il a de bonnes paroles.
Er hat immer gute Wörter. Il a des bonnes paroles. Er hat gute Wörter. Eh? Ben non. Ja, nicht. Ja, spielen doch, meine Lieben. Dieser Mister hat was immer gute Wörter. Wenn er kommt, il va commencer à vous. À vous draguer. Er kommt an und versucht euch zu beeindrucken. So wie ein Mann hat eine Frau versucht zu beeindrucken. Er wird anfangen, gute Sachen zu sagen. Und wenn ihr ihm die ganze Zeit zuhört, dann sagt ihr, ja, diese Person spricht wirklich von der Wahrheit. Ihr Lieben, je vous aime. Ich liebe euch sehr. Il faut se séparer avec ce monsieur. Aber wir müssen Avec ce monsieur. Wir müssen uns von diesem Mister trennen. Dieser Mister möchte uns umbringen. Er ist kein guter Mister. Wir müssen wirklich die Entscheidung treffen, uns mit ihm zu trennen. Il vient chez toi. Er kommt zu dir. Par exemple, ma sœur est là. Wie zum Beispiel meine Schwester ist da. Vous savez que tu es belle. Er wird sagen, Schwester, wisst ihr, dass ich cette nuit, je n'ai pas dormi. Ich habe diese Nacht nicht geschlafen. Mmh. Mmh. Non. Nee. Et lorsque je te vois, wenn ich dich sehe, je suis dans la joie. Dann bin ich voller Freude. Mouta le kouta. Ein Lügner. Papa, si ma sœur, il dit maintenant, wenn meine Schwester nun sagt, okay, okay. Monsieur Macchiali, Monsieur Macchiali, vous savez, wisst ihr, que je suis enceinte. Ich bin schwanger. Mamma mia, mamma mia. Comme disait toujours Papa Paul. So wie Papa Paul sagt, vous allez voir que ce monsieur change. Er wird sehen, wie dieser Messie sich ändert. Il va commencer à te dire, er wird sagen, ey. Petio! Kleine! Monsieur Macchiali, nous allons séparer avec ce monsieur. Il faut qu'on sépare avec ce monsieur. Wir werden uns mit diesem Mister trennen. Comme nous parlons, nous les Congolais. Wie wir unsere Kongolais sprechen. Vous allez entendre les mots, hein? Ihr werdet wirklich Wörter hören, ne? Petit Nangai. Kleine hier. Vorsichtig mit mir! Welcher Geist ist das denn? Geht von diesen Menschen da, nicht von mir. Und so verändern sie sich. Also müssen wir uns mit solchen Menschen trennen. Um sich von diesen Menschen zu trennen, brauchen wir das Wort. Ohne das Wort des Herrn können wir gar nichts tun. Ohne das Wort des Herrn können wir gar nichts tun. Ce Monsieur Macchiali, dieser Monsieur Macchiali, il a fait tomber Adam. Er hat Adam zum Fallen gebracht. Alleluia! Amen. Alleluia! Amen. Il a fait tomber Eve. Er hat Eva zum Fallen gebracht. La Bible nous dit dans le livre de Genèse. Die Bibel sagt im 1. Moses, que lorsque Dieu a créé l'homme, als Gott den Menschen geschaffen hat, il a placé l'homme dans le jardin d'Eden. Er hat den Menschen in dem Garten Eden gepackt. Et Dieu a donné des ordres à l'homme. Und Gott hat den Menschen Ordnungen gegeben. Il dit ceci, er sagte so, j'ai planté dans ce jardin deux arbres. Ich habe in diesem Garten zwei Bäume gepflanzt. L'autre vous pouvez toucher, den einen könnt ihr anfassen, mais l'autre là, Dieu sait qui est au milieu. Der dann in der Mitte ist. Vous n'avez pas l'autorité de toucher à cet arbre. Diesen Baum sollte er nicht anfassen. Mais lorsque Monsieur Macchiali est venu, als Monsieur Macchiali kam, la Bible déclare, il dit à la femme, die Bibel sagt, er sagte zu der Frau, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Was hat Gott zu euch gesagt? Il commence, il était vraiment, comment dirais-je, assis et il parlait lentement et sûrement. Er war wirklich so ein ruhiger, sicherer Mensch. So sprach er. Dans un premier temps, il glorifie Eve. In der ersten Zeit, so wie als würde er die Ehre schenken. Er sagt, Eva, tu sais que tu es belle. Du bist so schön. Tu sais que ton mari t'aime beaucoup. Du weißt, dein Mann liebt dich sehr. Mais il va t'aimer encore de plus. Aber er wird dich noch mehr lieben. Je vais te dire un secret. Ich möchte dir ein Geheimnis sagen. Ce que Dieu vous a dit. Das, was Gott euch gesagt hat, ce n'est pas ça, la vérité. Das ist nicht die Wahrheit. Vous savez, ces fruits-là, wisst ihr, diese Früchte, die da sind? Si vous mangez ces fruits, wenn ihr diese Früchte isst, votre Dieu s'ouvriront, wenn eure Augen aufgehen, alors je te dis vraiment, also vous allez me voir. Ihr werdet mir wirklich glauben. Dieu savait que si vous mangez ces fruits, und Gott wusste, wenn ihr diese Früchte isst, vous serez comme lui. Werdet ihr genauso sein wie er. C'est Monsieur Macchiali qui a manipulé la femme.
Diese Missy Machiari hatte die Frau manipuliert. Er hat die Frau manipulieren können. La femme, la Bible déclare que la femme trouva que cet arbre c'était bon à manger. Und so fand die Frau diesen Baum einfach schön zum die Früchte schön um sie zu essen. Elle mangea. Und sie hat die von der Frucht gegessen. La Bible déclare, il donna aussi à son mari. Und die Bibel sagt, sie gab es auch ihren Mann. Et son mari la mangea aussi. Und der Mann aß das auch. Et comme c'était l'habitude, Dieu venait chaque soir. Und da es die Gewohnheit war, dass Gott jeden Abend kam. Il est arrivé que lorsque Dieu était là, und als Gott da war, il appelle Adam. Ruft er Adam. Adam ne pouvait pas se mettre devant Dieu. Und Adam konnte sich nicht vor dem Herrn stellen. Pourquoi tout cela? Warum dies alles? Parce que Monsieur Machiavelli a déjà implanté sa venin. Weil Monsieur Machiavelli schon sein Gift hineingelegt hat in den Menschen. Adam ne pouvait pas se mettre. Und Adam konnte sich nicht vor den Herrn stellen. Il s'est caché. Er versteckte sich. Dieu appelle Adam. Gott ruft Adam. Où es-tu? Wo bist du? Adam ne pouvait pas longtemps se cacher. Und Adam konnte sich nicht lange verstecken. Il dit, Seigneur, nous avons, je me suis caché. Und er sagt, Gott, ich habe mich versteckt. Et Dieu dit, pourquoi vous êtes caché? Und Gott fragt, warum habt ihr euch versteckt? Il dit, non, parce que la femme que tu m'as donnée, m'a donné l'arbre et je l'ai mangé. Und er sagte, ja, die Frau, die du mir gegeben hast, hat mir von der Frucht gegeben. Und nun bin ich nackt. Voilà pourquoi je ne vais pas me présenter devant toi. Und deswegen will ich mich nicht vor dir zeigen. La Bible déclare que Dieu était en colère contre Adam. Und die Bibel sagt, Gott war dann wütend auf Adam. Adam und Eve, ils étaient chassés de la présence de Dieu. Und sie wurden von Gottes Gegenwart weggeführt. À cause de Monsieur Machiavelli. Wegen Monsieur Machiavelli. À cause de ce monsieur. Wegen diesem Monsieur Machiavelli. Il est très dangereux. Er ist sehr, sehr gefährlich. Bien-aimé dans le Seigneur. Ihr Lieben in den Herrn. Il ne faut pas blaguer avec ce monsieur. Man sollte mit diesem Monsieur nicht spielen. Si il est là, wenn er da ist, il nous amène toujours la bonne parole. Bringt er uns immer erstmal gute Wörter. Mais il n'est pas de la bonne parole. Aber diese Wörter sind nicht gut. Nous avons vu que Adam a été chassé à cause de ce monsieur. Wir sehen, Adam wurde weggeführt vom Garten eben wegen diesem Mister. La séparation s'est établie entre Dieu et l'homme à cause de ces messieurs. Alléluia. Il faut qu'on se sépare avec ces messieurs. Wir müssen uns trennen von diesem Mister. Il est très dangereux. Er ist sehr, sehr gefährlich. Il va nous tuer. Er wird uns töten. Mais gloire soit rendue à Dieu. Aber Gott die Ehre. Parce que le Fils de l'homme est venu. Denn der Mensch ist uns gekommen. Afin que nous ayons la vie. Damit wir das Leben haben. Alléluia. Ce que nous, ça va nous aider. Was uns helfen wird, uns von diesem Meister zu trennen, so wie ich gesagt hatte, c'est la parole de Dieu. Ist das Wort Gottes wichtig. D'écouter la parole de Dieu. Gottes Wort zu hören. Attentivement. Und achtsam zu hören. Si tu écoutes la parole de Dieu attentivement, wenn du das Wort Gottes achtsam hörst, et vous allez aussi agir correctement. Dann werdet ihr auch korrekt handeln. Mais si vous écoutez la parole de Dieu et que vous n'êtes pas attentif, aber wenn ihr das Wort Gottes hört und ihr seid nicht achtsam, vous ne pouvez pas aussi agir attentivement. Dann könnt ihr auch nicht achtsam handeln. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Wir lesen nochmal das Wort Gottes. Proverbe, chapitre 13. Sprichwort 13. Und verset 13. Vers 13. Si quelqu'un a trouvé cela, qu'il peut lire dans le nom de Jésus. Wenn jemand es gefunden hat, kann es lesen dans Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci. Celui qui méprise la parole de Dieu, c'est père. Mais celui qui craint le précepte est récompensé. Cela signifie quoi? Si une personne écoute la parole de Dieu, wenn jemand das Wort Gottes hört, et il n'est pas attentif, und er ist nicht achtsam, il ne va pas faire tout ce qui est bien dans les yeux de Dieu. Wenn er nicht das tut, was gut ist vor den Augen Gottes. Alors, lorsque vous ne faisiez pas ce qui est bon dans les yeux de Dieu, also wenn er nicht das tut, was gut ist vor Gottes Augen, vous êtes déjà le vous avez déjà perdu. Dann seid ihr schon verloren. Vous êtes déjà le perdant. Dann seid ihr schon die Verlierer. Parce que vous allez pas agir de la manière dont Dieu veut que tu agis. Weil er nicht so handelt, so wie Gott es will, dass er handeln sollte. Et nous pouvons voir ça dans l'épître de Jonas, chapitre 1. Und wir sehen das auch in Jonas 1. Premier verset jusqu'au verset 3. Erster Vers bis 3. Et la Bible nous montre comment est-ce que Jonas a agi. Und wir sehen, wie Jonas hier gewirkt hat.
Si quelqu'un a trouvé cela, on peut lire ça. Wenn jemand das gefunden hat, können wir das gerne lesen im Namen Jesu. Nous allons voir si quelqu'un écoute la parole de Dieu et il n'est pas attentif, qu'est-ce qui se passe? Jonas chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Fils d'Amittai, étiez-vous pas pour Ninive, la grande ville, non de menace contre elle, car j'ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. Mais Jonas décida de fuir à Tarsis, auprès du Seigneur. Il se rendit à Jaffa. Il trouva un navire prêt à partir pour Tarsis. Il paya sa place et embarqua avec pour aller là-bas, au Dieu du Seigneur. Alléluia! Amen. Ma sœur a lu la parole de Dieu. Meine Schwester hat das Wort des Herrn. Et si nous voyons clairement, wir sehen ganz klar, que Dieu a parlé avec Jonas. Gott hatte mit Jonas gesprochen. Dieu a vu comment est-ce que le peuple de Ninive marchait dans le péché. Gott hat gesehen, wie die Leute von Ninive marchaient. Mais dans cet pays-là, il y avait des fils de la promesse. Aber in diesem Land gab es Menschen, die Dieu Gott ausgesucht hatte. Gott konnte dieses Land nicht zerstören. Et Dieu donna sa parole à Jonas. Und Gott gab Jonas seinem Wort. Il dit à Jonas, er sagte zu Jonas, Jonas, je vis comment est-ce que mon peuple marche là-bas. Jonas, ich habe gesehen, wie mein Volk dort lebt. Et va là-bas. Geh dahin. Va prêcher la parole. Geh und spreche das Wort. Pour que l'homme change, il a besoin d'écouter la parole. Damit ein Mensch sich verändert, muss er das Wort hören. Mais qu'est-ce que Jonas a fait? Aber was hatte Jonas getan? Il a pris la fuite. Er ist weggelaufen. Il a pris un autre chemin. Er ist einen anderen Weg gegangen. Il a désobéi à Dieu. Er war Gott ungehorsam. Pourquoi? Warum? Parce que il n'était pas attentif lorsque Dieu lui parlait. Er war nicht achtsam, als Gott zu ihm gesprochen hat. Mais si nous sommes attentifs, aber wenn wir achtsam sind, Dieu nous parle, wenn Gott zu uns spricht, nous allons voir que nous allons agir selon sa volonté. Dann werden wir so handeln, wie Gottes will. Je n'ai pas beaucoup de minutes. Ich habe nicht mehr so viele Minuten. Je vais essayer afin que nous puissions terminer aussi à temps. Ich werde mir Mühe geben, dass wir wirklich in der Zeit fertig werden. Nous allons lire la dernière verset. Wir lesen den letzten Vers. 1 Jean chapitre 1. 1. Johannes 1. Verset 5. Vers 5. Jusqu'à 7. Bis 7. 1 Jean chapitre 5. Pardon, 1 Jean chapitre 1, verset 5 jusqu'à 7. 1 Johannes Kapitel 1, 1 bis 5. Premier Jean. Premier Jean. 1 Johannes. Si quelqu'un trouvait cela, qu'il peut lire dans le nom de Jésus. Wenn jemand das gefunden hat, der kann das bitte lesen im Namen Jésus. 1er Epître de Jean, chapitre 1, Erster Johannes 1, verset 5 1, à 7. Vers 5 bis 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans le ténèbre, nous mentons. Aimé. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Amen. Alléluia, frère bien-aimé. Si nous sommes en communion avec le Père, wenn wir eins sind, wenn wir in der Gemeinschaft sind mit si Gott, nous sommes en communion avec Jésus Christ, wenn wir in der Gemeinschaft sind mit Jesus Christus, nous allons pas marcher
selon les œuvres de la chair. Wenn wir nicht so leben wie des Fleisches. Nous allons marcher selon sa volonté. Wir werden leben nach Gottes Willen. Et quelle est la volonté de Dieu? Und welches ist Gottes Wille? Et que nous respectons sa parole. Dass wir sein Wort respektieren. En ce moment-là, nous serons fils de la lumière. In diesem Augenblick werden wir Kinder des Lichtes sein. Il faut se séparer avec ce monsieur Macchiato. Wir müssen uns trennen von Monsieur Macchiato. Il amène les fruits qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Er bringt die Früchte, die nicht von Gott sind in unser Leben. Il faut qu'on se sépare avec ce monsieur. Wir müssen uns trennen von diesem Monsieur. Halleluja. Amen. Prenons la décision de séparer avec ce monsieur. Lass uns die Entscheidung treffen, sich uns von diesem Mister zu trennen. Dans le nom puissant de Jésus. Im Namen Jesu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite. Ihr Lieben, ich lade euch ein. Mettons-nous debout. Lasst uns aufstehen. Et chacun de nous, il connaît quelque part que ce monsieur, il est là. Jeder von uns kennt dort, wo der Mister noch da ist. Le fruit du diable. Die Früchte vom Teufel, vom Satan. Nous allons briser ces fruits. Wir werden uns trennen von diesen Früchten. Parce que nous avons besoin que les fruits de l'esprit agissent maintenant. Denn wir wollen sehen, dass die Früchte des Geistes in uns wirken. Nous ne voulons pas avoir les fruits du diable dans notre vie. Wir wollen nicht die Früchte von den Teufel unternehmen. Voilà pourquoi nous devons maintenant chasser cet esprit. Deswegen werden wir uns trennen von diesem Geist. Yes. Halleluja. Es kam, um die Früchte des Feindes zu entfernen. Et je vous invite à prier dans le nom de Jésus. Brisons tout ce que le diable a planté dans notre vie. Brisons tout cela dans le nom de Jésus. Prions Dieu au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu, mon Dieu, mon roi. Je brise maintenant tout ce qui est le diable dans ma vie. Je brise tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, qu'il soit écarté de ma vie. Qu'il soit écarté de ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia, on acclame Jésus. On acclame puissant, nous bénissons son nom. Alléluia. C'est vrai, c'est le temps de la séparation. Il y a parfois des séparations qui sont douloureuses. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Il y a des séparations qui sont vraiment douloureuses. Il arrive parfois que tu t'attaches, le péché finit par t'embrasser. Ihr wollt euch trennen, aber die Sünde umarmt euch. Il finit par te marier. Die Sünde verheiratet sich mit dir. Tu prends l'habitude. Und du nimmst diese Gewohnheit. Et c'est difficile pour te détacher. Und es wird schwierig, dich davon zu trennen. Et ça t'empêche de t'approcher véritablement de Dieu. Und es behindert dich, dich den Herrn zu nahen. Nous sommes dans une phase où wir sind in einer Phase, wo nous devons avoir le discernement, wo wir die Erkenntnisse brauchen. Et nous séparer de tout ce qui